Bonjour à tous, on continue notre périple culinaire, je vous retrouve avec la quatrième technique de la semaine. Bonjour à tous et bienvenue sur Ado.fr. On continue la recette du dôme de saumon aux légumes frais. On va s'occuper donc de la préparation de la poire. Pour commencer, on va enlever son trognon. Voilà. Ensuite, on va l'éplucher. Voilà. Et maintenant, on va faire une brunoise de poire, donc des petits dés de poire. On la coupe en deux. On coupe des petites bandes et dans l'autre sens, des petits dés. On va faire la même chose avec l'autre partie. Voilà. Notre brunoise est prête. Donc, on va mélanger dans un cul de poule la tomate, la poire, le basilic, les segments de pamplemousse et on met le jus de pamplemousse qu'on a gardé plus tôt dans la semaine. On mélange le tout. Donc j'ai pas choisi ces ingrédients au hasard car la poire est sucrée, le pamplemousse est amer et la tomate est acide. Comme ça on aura une explosion de saveur en bouche et on utilisera en assaisonnement la crème de vinaigre balsamique qui est acide et un peu sucrée pour donner du relief au plat. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve demain pour la confection du dôme. À bientôt.